6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda. Bonjour. Alors ce matin avec vous, on rend hommage à Henri Curiel, assassiné le 4 mai 1978 à Paris par le commando Delta qui a revendiqué son exécution. Dénoncé comme étant le patron des réseaux terroristes alors qu'il a milité toute sa vie en faveur de formidables luttes anticoloniales qui ont marqué son époque. Henri Curiel a été à la fois un résistant contre le nazisme, un militant anticolonialiste, un porteur de valises du Front de Libération Nationale Algérien, un compagnon des combattants anti-apartheid d'Afrique du Sud et un médiateur du conflit israélo-palestinien. Curiel est en fait un militant juif au parcours atypique et absolument exceptionnel. Son assassinat est entouré de secrets et la quête de vérité est longtemps restée entravée. La justice a conclu une première fois l'affaire par un non-lieu en 1992. L'enquête rouverte par la suite sera à nouveau classée en 2009. En 2018, elle est ouverte une troisième fois après le témoignage posthume paru dans la biographie d'un ancien mercenaire, René Reskiniti, un barbouze qui faisait partie du commando chargé d'éliminer Henri Curiel. L'ordre émanait, selon lui, de Pierre Desbizet, le chef de service d'action civique, une sorte de police parallèle. Les débuts des combats d'Henri Curiel, ce juif égyptien, vont commencer au Caire, où il est né, et où, profondément marqué par la profonde misère des Égyptiens, il va fonder le Parti communiste, mais il va être immédiatement exilé par le roi Farouk. C'est aussi ce partisan du Front de Libération Nationale Algérien qui, en novembre 1957, va rencontrer Francis Johnson, responsable d'un réseau d'aide et de soutien du FLN. Suite à un coup de filet de la DST, les Algériens lui ont demandé à Francis Johnson, qui était grillé, de passer la direction des opérations à Henri Curiel. Il va également se mettre au service des mouvements de libération et des réseaux antifascistes de tous les pays, avec l'impression des tracts, la fabrication de faux papiers, l'assurance de soins médicaux et de premiers secours, le maniement des armes, notamment pour les résistants palestiniens. Son action pour la paix au Proche-Orient dérangeait aussi bien les services secrets sud-africains qu'israéliens, des services qui le tenaient pour l'un de leurs pires adversaires, leurs pires ennemis, car ces réseaux de solidarité avaient beaucoup servi l'ANC et la cause palestinienne. Bref, ce juif atypique a défié l'ordre établi par les colonialistes de tous bords, et tous avaient intérêt à le voir disparaître, et c'est ainsi qu'il est devenu l'homme à abattre. Son assassinat est resté secret défense qui a tous les attributs d'un crime d'État.